Attention. Alors, mettez le cœur. Les marabouts et les amants de Jaguar, ils viennent de m'appeler. Et c'est grave. Je salue Sergio Mpolo. Sergio Mpolo, je te salue. Je salue Youssouf. Je salue Serge Mignon. Vous faites du bon travail. Je comprends pourquoi Maud vous paye tout le temps. C'est pas possible. On peut descendre le string d'une dame mariée comme ça là, dans les hôtels, dans la voiture et tout ça. C'est grave ça. C'est normal. À mon temps, on goum goum. Ah ouais. À mon temps, on a battu. Son ex copine Aline, avec qui il a fait l'aventure, elle passait le temps à taper sur Amot, ici en Espagne. Ça, c'est quand Amot appelait les gars, les Youssouf, les Stéphane, les Khalifa. Voilà Aline qui veut me tuer dans la maison. Oh. Elle m'a déjà attaché. Oh. Pardon, venez me sauver. Quand les gars ils arrivent, ils trouvent Amot dans les toilettes. Le gars s'est enfermé dans les toilettes. Ah ouais. Aline. C'est pas ce qu'il fait à Jaguar. Amot. Quand Aline tapait Amot, c'était les pleurs de ça. Partageons le direct des amis. Amot avait son petit ngongoum. Ah ouais. Quand il entre comme ça, qu'il sort aussi en même temps. 2 secondes. Et en germain. Même le Viagra ne marche pas sur la moto. Ngoum goum. Donc là, c'est Jean Polo. Quand il tape les grosses fesses de Jaguar là, c'est la magie seulement. C'est Jean Polo, c'est pas diamant. Quand il tape ça, Paco, j'ai oublié aussi le nom Paco. C'est Paco qui a doigté Jaguar dans les toilettes le jour du mariage. Pas diamant l'a trouvé là-bas, ils ont failli bagarrer. Paco, il est géant. Géant comme moi là. Paco. Il n'y a Jaguar depuis. Il paye tous les amants de Jaguar. Il est choco. Il a peut-être un peu d'argent. Partagez. Ah, c'est pas possible. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais chercher des enfants. Donc j'ai encore le temps. Ils sont à 16h30. Donc je suis en train de rouler. Dans 10 minutes, je suis arrivé. Vous savez que pour moi, ma bouche n'est pas, et que mon ventre n'est pas le magasin. Moi, je me libère. Voilà, je préfère moi libérer ce que j'ai appris aujourd'hui là. Demain, c'est un autre jour. Demain, s'il y a un autre. S'il y a d'autres choses, on m'envoie et je parle. Je me libère. Donc, partagez, appelez vos amis. Ils viennent aussi pour qu'on écoute. C'est que le couple de la Bozani, le couple de AliExpress, le couple Mazembe, le seul couple ambassadeur. Quand la nuit tombe dans le HLM de Vondor là-bas, on est sous bois. C'est la magie, c'est l'ambassade. Les matelas sont au sol comme les tapis qui sont à la mosquée le vendredi au jour de prière, avec les sandales devant, les chaussures sont devant les portes, devant la porte, pardon. Donc quand tu te lèves la nuit, tu vas aller faire pipi. Si tu n'allumes pas, tu ne mets pas la torche du téléphone, tu peux marcher dans la tête de quelqu'un. Un couple de voleurs. Ils ont volé l'argent de Mafoufleur de Lille.
donc voler tout l'argent de ma faute, tout son capital. La pauvre. Elle avait prévu monter son restaurant. Mais ma fille ne t'a pas tué. Ah ouais. Mais elle n'arrête pas de dénoncer. Ils ne t'ont pas tué. Ils vont te payer l'argent là. L'humiliation qu'ils t'ont fait là. Le karma est déjà là. Bobby va sortir des problèmes. Bobby va arriver en France. Bobby ira porter plainte. Maltraitance. Ah ouais. Maltraitant, c'est quelqu'un qui a résidé en France. Même s'il est sans papier, il a droit. Il avait fait laver des assiettes, sans salaire, laver des caleçons. À une personne adulte. Faites laver vos caleçons, il gardait les enfants. Non. Les gens, ils font des problèmes, ils ne savent même pas. Et de sur quoi vous l'enfermez au Cameroun? Trafic d'influence. Ça va même plaire dans les réseaux sociaux. Non. Il faut être cruel pour arriver là. Et je vois des gens, ils supportent. Comme ils ont tout l'habitude de faire du mal aux autres, ils supportent n'importe quoi. Ah ouais. Toujours les champions à faire du mal aux autres. Et vous supportez ça. Non. Et que non, c'est lui, il a signé. Vous savez pas qu'au Cameroun, les avions passent aux aveux avec la chicotte. Soit t'amènes au 7, vous savez la torture qu'on fait aux gens là-bas. Tu es obligé même de reconnaître même les choses que tu n'as pas fait. C'est une justice ça. Ici c'est la vraie justice. On te tape pas, on te torture pas. Tu passes aux aveux, ça veut dire que c'est vrai ce que tu as fait. Tu assumes. Là-bas, quelqu'un au 7, on grise ses noyaux là-bas. On pèse sur ses tétons. Comment il va pas reconnaître même ce qu'il n'a pas fait. Et quand je vois des gens faire des directs, l'inculper, je dis, mais tu n'as rien compris du Cameroun. Au Cameroun, tu as donné 200 000 à quelqu'un, à une autorité, à une autorité. Tu as donné 200 000 à un IR, mais il va chicoter la personne, il sait que la personne va pisser le sang. Voyez comment on torture un enfant, un frère, au trafic d'influence, vous êtes sur les réseaux sociaux, ça vous fait rire. Même si c'est lui qui avait pris l'argent de la tontine. Cette tontine est enregistrée en France, légalement. Donc c'est un litige qui doit se faire, qui doit être jugé en France, au Cameroun. Le Cameroun n'a aucun pouvoir de pouvoir juger un problème qui a eu lieu en France. Voilà. C'est juste incroyable ça. Ça c'est ce qu'on voit souvent dans les rêves. Tu es dans un rêve, tu rêves un truc. Comment on peut juger une affaire au Cameroun qui a eu lieu en France et ces gens, les membres de cette réunion résident en France et la réunion est légalisée en France. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un trafic d'influence. Vous ne voyez pas qu'on veut taire la vérité. Hein? Si un mot était un homme avec des couilles, comme il n'a pas de couilles, c'est pour ça qu'il fait des coups comme ça. Un homme qui a des couilles dit que voilà, moi je veux la transparence. Le petit, il a pris l'argent, mais il réside ici. Quand il va arriver ici, on va porter plainte ou on porte plainte, même s'il n'est pas là. C'est comme ça, il apprend sur les preuves. Je vois les gens, ils sont là, ils sont même ici. Et ils maîtrisent même les choses, ils maîtrisent la loi. Mais ils sont là, ils sont tous dans le suivisme. Les bénis, oui, c'est bien. C'est bien fait pour lui. Comme ce n'est pas votre frère, comme ce n'est pas une personne que vous connaissez, c'est bien fait pour lui. Mais, est-ce que Fleur Delis pouvait imaginer qu'en 2021, Amo devait l'escroquer, sa femme et lui? Pourtant, elle supportait Amo. Il y a eu des personnes qui sont venues ici accuser Amo
des dames. Roy a perdu 6 millions dans le terrain. Flandelin n'a pas cru. Elle a supporté son ami. Voilà, elle n'a même pas écouté la version de la dame. Mais, parce qu'elle était dans la calebasse. Flandelin était dans la calebasse. On a volé son string. On a volé sa perruque. On a envoyé chez Alain Mebou. Ça se comprend parce que Alain Mebou a parlé avec moi. Il m'a expliqué que si Flandelin est soumise à Amout, voilà, parce qu'Amout doit beaucoup d'argent à ces marabouts. Vous savez, les marabouts, quand ils parlent, c'est parce qu'on n'a pas payé pour son travail. Donc, il préfère lui déverser. C'est pour ça que le marabout est rentré en contact avec moi. Et apparemment, il y en a même plusieurs. Et quand il me parlait avec des preuves, hein, parce que j'ai appelé vidéo. Voilà. Il m'a montré des photos. Il m'a montré les enregistrements. Il m'a fait écouter. La voix d'Amout. Comment Amout donnait. Il leur donnait. Ah ouais. Que voilà. Fleur va faire comme ça, machin truc. Tous les projets de Fleur, c'est dans l'eau. Vous ne pouvez même pas réfléchir. Fleur elle-même vous a dit que depuis que sa mère en France, ce couple-là n'a jamais vu sa mère. Ça ne vous parle pas? Parce que je veux vous dire quoi? La mère, quand vous avez encore vos parents en vie, surtout les mamans, elles sont protestées. C'est elles qui nous protègent. C'est nos mamans qui nous donnent des bénédictions. Donc même quand quelqu'un te veut du mal, s'il a ta mère en face, il va chier sur lui. Je me répète, nos mamans, c'est nos mamans qui nous protègent tant qu'elles sont en vie. De fois même, elles ne sont plus là sur la terre, mais elles sont avec nous. Elles sont avec nous. Donc vous ne pouvez pas me dire, vous avez des amis qui vous sont chers. Vous avez des amis qui vous sont chers, que non, vous les aimez. C'est une amie, sa mère arrive en France. Non, la première chose, vous allez rendre visite à la mère. Même si elle ne vient pas chez vous, vous allez rendre visite. Ouais, maman, vous êtes arrivé du Cameroun. C'est comment? Ouais, on est là en France, voici ça. Vraiment, ta fille, vraiment, c'est... Non, elle a fait du bon travail, maman. Ramener sa mère en France comme ça et se faire soigner. Ah non, vraiment, félicitations à ta fille. Tu as accouché un enfant. Ah ouais. Une fille sans mari qui s'occupe de sa mère comme ça là. Ça a félicité. Voilà comment on se comporte avec des amis. Les amis ne sont pas nos esclaves. Les amis ne sont pas nos esclaves. Arrêtez toujours de vouloir piétiner des gens. Mais attends, personne n'est né pour vous. Et quand on vient parler, quand je viens, c'est pour vous éveiller. C'est pour vous dire, faites très attention. Vous croyez que ça me donne quoi? T'es venu parler comme ça là. Hein? C'est par amour. Dis, réveillez-vous. Ce n'est pas par jalousie, je ne jalouse personne. C'est ce que Dieu m'a donné. Ça me va. Ce que Dieu m'a donné, ça me va. Je ne peux pas faire la jalousie sur quelqu'un. Même s'il achète l'avion, même s'il achète le bateau. Franchement, moi j'ai déjà pris l'avion, j'ai déjà pris le bateau. Même s'il dort dans un palais, j'ai déjà dormi. Voilà. Qu'est-ce qu'il va... L'argent, j'ai déjà eu. Hein? Pourquoi il va être jaloux? De qui? Même si je viens jaloux demain, même Dieu ne serait même pas d'accord avec moi. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas. Parce que nous, on voit, il y en a comme moi là, on est tellement nombreux. On voit comment notre jeunesse est en train d'aller en dérive. Où il y a des gens, ils sont comme des gourous. Ils sont sur Internet. Ils ont tellement bouffé. Ils bouffent tellement l'énergie de ces jeunes. Et ils les mettent sur le mauvais chemin. Et moi, quand je vois comme ça, je me lève, je viens, je tape dessus. C'est comme ça, je tape dessus parce que
Moi, je suis même pas dans les histoires de peur là, franchement. Un gars comme Mahmoud, il peut me faire peur. Avec quoi il peut me faire peur? Donc, il est arrivé quand pour me faire peur? Tous ceux qui s'attaquent à moi là, ils peuvent rien. C'est des histoires. Il y en a qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dénoncer. Moi, je comprends ces gens. Mais les gens comme nous là, qui pouvons dénoncer, on doit se lever et dire non. Ces gars que vous allez dormir, vous dormez sur les pages là. Ce n'est pas la bonne direction. Changez de chemin. Ils vont vous faire berner. Ils vont vous endormir, ils vont vous faire perdre du temps. Ah oui. Nous nous sommes arrivés ici, ça fait plus de 22 ans. On n'est pas rentré dans ces mamailles là. On n'a pas côtoyé des personnes comme ça. Parce que tu côtoies des gens comme l'amour. Ton avenir se place où? Quelle direction que tu donnes à tes enfants? Quelle direction? Parlons peu, parlons vrai. Donc vous êtes venus sur la terre pour être des derniers. On a la chance, nous qui sommes en Occident, on a la chance de vivre dans des continents, dans des pays où les dés sont jetés. Ou si tu ranges bien ta vie, tu peux avoir ton chemin. Ce n'est pas tout le monde qui doit être milliardaire. Ce n'est pas tout le monde. Chacun, voilà, si tu as de quoi t'assumer, aider ta pauvre famille qui est au pays. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on veut? Donc il faut mettre 20 bouteilles de champagne ou mettre des habits contrefaits là qu'on achète je sais pas où, au marché aux puces, à Saint-Ouen, ou on va au pays à Mokolo, on se ravitaille, on vient avec en France, pour que vous soyez considérés. Voilà pourquoi je dis non. Ces gens-là, ils méritent qu'on tape sur eux. Quand ils disent taper sur eux, on dénonce. Et quand on dénonce comme ça, ce n'est même pas eux. Ce sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont là derrière. Ils prennent ces gens-là pour des modèles. Ils prennent des gens-là pour des exemples. Ils disent que non, et faites gaffe. Moi, je vous dis que moi, Thierry Bissot, la première fois que j'ai vu Amout, c'était au métro Sol à Madrid. Le métro Sol, je me répète. La première fois que j'ai vu Amout, c'était au métro Sol à Madrid. Moi, j'étais déjà en Europe plusieurs années avant. J'allais déjà en vacances au Cameroun, je ne sais pas, j'étais déjà peut-être à mon 8e aller-retour, Paris-Douala. Moi, j'ai croisé Amout, il faisait la manche, il venait d'arriver du Maroc là. Il avait pris la Méditerranée. Quand je traversais, il m'a appelé. Il s'est présenté, il avait sa femme, son ex-copine là, Aline. Il m'a expliqué sa situation. Qu'il vient d'arriver, ça ne va pas, machin truc. Mais il est là, il tacle comme ça là, au métro, il tacle, il garde les voitures, il lave les voitures. Et moi, je suis quelqu'un, je suis fragile. Moi, et en plus, c'est un compatriote. J'ai sorti 50 euros et il n'a jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai tendu à Amout, j'ai dit, mon frère, c'est ce que je peux te donner. Je n'ai pas plus, mais bats-toi. C'est le chemin. Beaucoup sont passés par là. Aujourd'hui, ils ont une bonne situation. Voilà. Je dois donner mes encouragements. Et on s'est revu à Valencia. Qu'elle a commencé à faire le fait. Quand on se revoit à Valencia, il me dit qu'il est devenu président de l'Europe. Je sais pas. Non, de Valencia. Je lui ai dit, tu es devenu président comment? On t'a voté où? Il me dit que non, il a le maillot jaune ici. Il gagne beaucoup d'argent. Il dit, mais dis donc, même m'inviter boire un top, prendre un verre, il m'a jamais invité ce gars. Je lui ai dit, ok, si tu es président, c'est bien, mais sois seulement sage. On est en Espagne, on est en Europe, sois sage. Ici, la Guardia Civile, les gendarmes ici sont violents. Ah oui, je donne seulement un conseil. Le jour où ils vont tomber sur toi, tu vas fuir. Donc, sois sage, fais tes affaires, mais
Il faut être sage. Donc voilà. Voilà comment je le revois encore à Valence. Je reviens à Valence, à Valencia. Je recroise Amot. Il me dit qu'il a des problèmes en Espagne. Il veut fuir. Il est recherché. Voilà les vrais gens qui sont recherchés dans les pays. C'est comme ça que il dit qu'il va aller à Paris. Je lui dis que non, mon gars, tu peux pas aller à Paris parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas aller faire quoi à Paris? Paris, c'est une ville où si tu n'as pas d'argent, tu vas aller à Paris, tu es foutu. Je lui donne mon conseil, va en Suisse. Il y a même des femmes là-bas, tu peux faire gigolo. Si tu carbures bien. À l'époque, je ne savais pas qu'il avait un goum-goum. Allô? 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 Non, ça va et toi? Non, je suis en train de faire, on vu ta vidéo. Donc, mais ça, on a un chou. Ok. Ok, bon, on te dit après alors. Ok, ciao. Mon frère qui m'appelait là. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce que j'étais encore en train de dire? Le mec, je lui donne mes conseils. Il va en Suisse. Quand je vous parle à tous les témoins, il y a un grand frère en Espagne, il y a un grand frère de chez Newbel, notre quartier. Là, il y a le cinéma de Newbel. Aussi, il y avait le cinéma de Pamiers. Il y a un grand frère là qui est là. À Valence, les familles, c'est une famille, ils sont à Valence, ça fait plus de premier, le grand frère, même l'aîné, il est arrivé, ça fait peut-être 35 ans. Georges, il est arrivé, ça fait dans les 30 ans. Donc, c'est des grands qui sont arrivés 8 ans, 10 ans avant nous, on peut dire ça. Donc voilà, il y a un qui est là depuis 35 ans, je peux dire un truc comme ça. Donc, Georges, maintenant, Dieu était au moins. Quand je parlais comme ça à Mota, Mota a écouté, il ne connaissait même pas la Suisse. C'est moi qui lui dis que non, va. Il dit la Suisse c'est où? J'ai dit que va en Suisse. Va. Genève, Lausanne. Là-bas même, tu peux vendre le piment. Ou tu peux trouver des pimentiers là-bas. Ils vont t'aider. Voilà comment il va en Suisse. Moi, je vais aller à Paris. Une fois, on se croit, je m'engouffie à Paris. Voilà quelqu'un qui dit que c'est vrai. Sa femme était étonnée. Elle bastonnait à Mot. Sa femme, elle s'appelle Aline, avec qui ils ont un enfant. L'enfant est métisse là. Elle chicotait à Mot. Quand elle tapait à Mot, c'était des pleurs. Il pleurait comme un enfant. Quand il s'est sauvé, il prenait le téléphone. Il appelle Youssouf, ou il appelle Khalifa, ou il appelle Château. Ou bien il appelle Stéphane. Venez, oh pardon, c'est grave. Voilà Aline qui veut me tuer. Aline veut déjà me tuer. Ah ouais. On trouve qu'un mot est défiguré. Aline, quand elle tape à mot, elle se déshabille. Elle se met sans caleçon. Elle commence à taper, donner le coup de poing. Elle donne le coup de tête. Un jour, elle a tête à mot. Elle a même à mot une dent là. Je ne sais pas si Cécile a déjà remis ça. Mais les dents d'un mot ont sauté. Aline, quand elle commence à taper à mot, et Amota a toujours habité dans des squats. En Espagne, il vivait dans un ghetto. Il fallait monter 7 étages dans des maisons abandonnées. Hein. Ce gars-là, il vit toujours comme ça gratuitement en bain. Donc en Espagne, il vivait. Mais il y a en Espagne, il y a même des chambres, des maisons même. Tu peux trouver même un appartement à l'époque là. Les appartements, 300 euros, 200 euros même. Il vivait dans un ghetto. Là-bas, il y avait que des gitans. Ah, c'est des quartiers sensibles. Si tu arrives là-bas, quelque chose t'arrive, c'est ton problème. La police n'arrive jamais là-bas. Donc à Mota, il est habitué comme ça là. Même les on est sous bois là, c'est pas la première fois. Vous voyez ces quartiers argentés, on est sous bois. En Espagne ici, il vivait dans un ghetto. Il n'y a que les gitans qui vivent là-bas. Donc les gens fouillent les trucs à la poubelle, les fers, tout ça. Dans les quartiers comme ça là. Donc quand on lui dit même d'aller vivre à Montagis là-bas, ou bien c'est là où son ami Lady Ponce habite là, Amon ne peut pas payer un loyer. Il ne peut pas.
que la fin du mois arrive comme ça là. Le propriétaire, un loyer de 700, 800 euros, ah, on ne peut pas. Il ne peut pas. Mais quand il va s'asseoir, il écarte ses fesses, il écarte ses jambes comme ça, il est là-bas chez Céline Pandio. Il boit le champagne, la honte veut seulement sa mort. Ah ouais. Il s'assoit, il filme, il met sur Facebook. Va rembourser l'argent de Fleur de Lille. Toutes tes histoires que tu filmes là, on voit la tristesse, la honte sur ton visage. On voit la tristesse sur le visage du gars. Tous les gars de Paris que tu appelles là, partout là, c'est les gars qui ont au moins où dormir. C'est les gars qui assument les enfants. Ou tu penses que tu as plus d'argent que qui, on ne sait pas. Regardez, c'est sa thérapie, hein? C'est un gars qui souffre à l'intérieur de lui. Il souffre. D'abord, il n'est pas beau. C'est pas que je peux créer un être humain. Mais il n'est pas beau. Dieu n'a pas donné la beauté. L'intelligence non plus. Le corps, il n'a pas. Quand il se met debout, c'est comme s'il est comme... C'est comme s'il avait des béquilles. Comme s'il veut seulement tomber. Quand il est debout. Le teint d'âme, c'est comme la peau du caïman. Quelqu'un qui est en bain depuis plus de 10 ans. Mais il a la peau du caïman. Donc il a toutes ces frustrations-là. Le derrière est percé. Donc, vous voyez un gars qu'au désert, il buvait les pipis de chameau. Un gars qui s'est fait défoncer par l'Inkassa. Au désert, quand il porte un habit de marque, il a acheté ça, il s'est ravitaillé à Mokolo. Il ramène ça ici, il porte. Les gens portent les sandales MS. Un moto aussi peut acheter une sandale MS à 600 euros. À 500 euros. Jaguar aussi porte sa part. Jusqu'à MF Fendi. Jaguar, c'est la seule personne où j'ai vu avec comment on appelle ça? Les nuisettes Fendi et Louis Vuitton en même temps. Ces grandes marques-là peuvent même porter plainte. Un Jaguar, tu prends tes Fendi et tes Vuitton là, comme nuisettes, tu les prends où? Parce que moi, je suis allé là au site de Fendi, je n'ai pas vu les nuisettes là. Même Louis Vuitton. Est-ce qu'on peut mentir les jeunes comme ça là? Et quand ils posent des vidéos comme ça, vous voyez les affamés, les jeunes ignorants. Ils viennent du président. Ou président de quoi? Président Makalao. Première dame quoi, couscous. Hein? Président qui l'a voté. Juste ça, il vient dire qu'il y a le président de la diaspora en Europe. Donc toi, tu es président devant les hommes comme nous, devant les Thierry Bissot comme devant les hommes comme nous là. Devant nous là. Devant les jeunes comme nous là, tu es président. Qui t'a voté? Tu es arrivé quand? Quand tu étais encore à l'Iguizoua, nous on était déjà en Bénin, on allait en vacances au pays, on faisait les allers-retours. Toi tu as marché à pied, je ne me moque pas des gens qui marchent à pied. Ah mon temps marché à pied pour arriver en Bénin. Il est arrivé hier. Il n'a rien en Bénin. Rien du tout. Au Cameroun, il n'a rien. Ta mère vit dans les lobbies. Toi tu viens être président. Qu'est-ce que tu es président? Ta femme ne sait pas lire, toi non plus. Qui va aider l'autre? Je ne sais pas comment les enfants arrivent à faire les devoirs le soir. Deux couples illettrés. Domcoq. Qui va aider l'autre? C'est toi qui viens. Vous venez insulter les Camerounais sur Internet. Vous venez nous manquer le... Pardon, manquer le respect. Pardon, je m'excuse, j'en vais de travers. C'est vous les grands voleurs. Voler au moins, on n'interdit pas, on n'oblige pas les gens d'aller travailler. Ici, il n'y a aucune loi qui oblige les gens d'aller travailler. Mais ne venez pas humilier ceux qui ne sont pas dans la même vie que vous. Ne venez pas mentir, inventer des choses sur des gens avec qui vous n'êtes pas du même rang social.
Là, c'est pour ça que moi je me lève. Mon frère, tu vis dans 60 mètres carrés en France avec 4 ou 5 enfants ou 6 enfants, je sais pas combien tu as. Avec Jaguar, c'est que vous avez 4. Mais tu as d'autres enfants dehors que tu as pris. Sans compter la fille de Jaguar avec Tanko. Donc vous avez 6 enfants avec une amie du couple. Vous êtes 9 dans 60 mètres carrés et 2 chambres. Tu as des enfants qui sont des ados. Donc ils ont entre 12 ans, 13 ans, 14 ans vous-même. Des sexes différents, filles, garçons. Comment, si tu as l'amour pour tes enfants et tu te fais passer pour un homme qui a beaucoup d'argent sur Internet, et ta femme aussi, parce que vous faites des réunions à 1000 euros par mois, mais dis donc, vous avez des 3 noms, donc vous épargnez 3000 euros tous les mois dans les tontines. Donc vous êtes des gens, ça veut dire que si tu épargnes 3000 euros par mois, ça veut dire que tu as des revenus au moins de 10 000. Vous avez, le couple a des revenus au moins de 10 000 euros par mois. Parce qu'il faut payer les vêtements aux enfants, il faut la nourriture, tout ça, les charges. Donc un couple comme à moi, vous avez des revenus de 10 000 euros par mois. Vous les deux, on va dire. C'est votre niveau, je vous mets à ce niveau. Mais vous êtes incapable d'aller loger vos enfants. Quand vos enfants dorment là, quand ils vont à l'école, on demande. Parce qu'à l'école, ça parle. Vous êtes incapable de garder la méchanceté. Incapable de loger des enfants. 2 chambres, 6 enfants et 2 adultes. Une amie du couple, ça fait 9 personnes. Et c'est ça qui vient l'ouvrir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit qu'ils ont fait des anniversaires, ils ont invité Kofi Olomide de 17 000 euros. C'est du pipeau ça. Ah ouais, la personne qui a mis cette information dehors, c'est du pipeau. Ça c'est du mensonge, c'est des gars qui gonflent des chiffres. Ah, moi, je peux payer un artiste 17 000 euros. Même pour son mariage, il n'a pas pu payer des gens de 17 000 euros. Il ne faut même pas croire à ça. Il ne faut même pas croire aux histoires qu'on a dit aux bijoux. Que Flo a dit ça, c'est la Talakou. Bijoux à 13 000 euros. Pour acheter d'abord, à moteur résident en France, il a un cas de séjour en France. Il ne peut même pas faire l'erreur. Sauf qu'il a fait payer par quelqu'un d'autre qui ne vit pas en France. Mais Flo a dit que non, il était à 2. Donc il a payé avec son passeport. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Les gens ne maîtrisent rien là. Aujourd'hui, dans des pays européens, à plus de 1000 euros, si tu résides dans un pays, en espèces, tu ne peux pas payer un natif. Je vous dis bien, dans un pays, si tu résides dans un pays européen, à moins de résider en France, il ne peut pas faire une course à plus de 1000 euros en espèces. C'est impossible. Et je ne vois pas à moins d'avoir une carte de crédit qui peut payer 17 000 euros. 13 000 euros, pardon. Faut pas qu'on vienne vous mentir sur Internet. Que les gens arrêtent de mentir. Ah ouais, à un moment donné, il faut arrêter. Ne prenez pas les Camerounais pour des imbéciles, pour des gens qui n'ont rien. Moi, je vous parle parce que je vis en Europe et je fais des courses. À plus de 1000 euros, aujourd'hui, la loi, la brigade financière, c'est interdit. Ah ouais. Amo ne peut pas avoir une carte de crédit déjà. Comment on peut venir vous sortir des anéries comme ça là pour animer la galerie? On parle quand même des grosses sommes. Quelqu'un ne peut même pas avoir un bail à son nom. La stratégie d'Amot, Jaguar, au vu du service social à Orné-sous-Bois, Jaguar est comme femme seule. Tu peux être marié, tu pars de ton mariage, ta femme ne vit pas avec toi. Donc, Jaguar, Amot, son nom n'est pas dans ce bail-là. Je peux mettre ce qu'il veut,
s'il montre le bail de orner ce bois, si son nom figure, je lui donne le double de la somme qu'il veut qu'on en mette. Je me répète. Amout, son nom n'est pas sur le bail. Là où il vit à orner ce bois là, son nom n'apparaît pas là-bas. Jaguar est comme femme isolée. Les gens m'ont dit que non, ils sont tous mariés, c'est des conneries. C'est comme ça qu'ils vivent, ils profitent de l'État français pour être logés, nourris. Et ils viennent insulter des responsables comme nous. Moi, je ne dois à aucun État. Dans tous les pays où j'ai vécu, où ma famille a vécu, j'ai toujours assumé. Mes enfants étaient au Luxembourg. Mon loyer était à 3000 euros, là où logeaient mes enfants. Mes enfants étaient dans les écoles privées. Je ne dis pas ça pour me vanter, ce sont des faits. Et c'est vrai. Mes enfants sont dans... Aujourd'hui, ils sont en Espagne. Les trois vont à l'école. Ils sont dans les écoles privées. Ce n'est pas moins de 9000 euros par enfant, par année. Sans compter la cantine et tout ça. Et je me bats pour qu'ils aient la meilleure éducation tant que je suis en vie, parce que je n'ai pas eu ça. Je ne veux pas venir me vanter dehors. Mes enfants sont dans les quartiers où la police ne peut pas arriver, parce que c'est des quartiers sensibles. C'est des quartiers qui sont classés dans la liste rouge en France. Un policier arrive là-bas, ça a ses risques et périls. On te jette la brique au cinquième étage. Les quartiers où les jeunes sont au balcon, ils laissent les briques, les barres de fer. Ça tombe sur la tête du niais. C'est là-bas qu'a logé ses enfants. Vous voulez qu'on en parle? Je pense que la plus grande fierté d'un homme, quand il peut s'en sortir, même nos parents qui sont au pays, qui n'ont pas eu assez de moyens, qui brisaient le poisson, même ceux qui font la sécurité dans les maisons, qui font le pousse-pousse, quand ils travaillent, c'est pour mettre les enfants à l'aise, à l'abri. On a vu des parents au Cameroun gagner 70 000, 60 000 francs par mois. Ils ont envoyé les enfants dans les universités à soi et tout ça. Ils sont devenus des médecins aujourd'hui au Cameroun. Ça ne vous parle pas? Des fois, j'ai l'impression que quand vous mordez des choses, vous êtes comme des zombies. Et personne ne réagit. Il n'y a que Koun qui vient sur la toile. Dit que ce monsieur, c'est un farceur. Mettez-moi le cœur, le direct est en train d'être signalé, ou je coupe mon direct. Pour partir dans le direct, vous ne mettez pas le cœur. Quand vous êtes chez Amout, vous êtes là-bas à milliers, et vous mettez le cœur. Mettez-moi le cœur, ou je coupe mon direct. Mettez le cœur et partagez le direct. Ça, c'est pour sécuriser le direct. Voilà les gens qu'on vient. Et après, les gens, ils vont se lever, on dit que non, pourquoi tu parles de lui tout le temps, machin, tout. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Ce gars, en 2018, il a fait une campagne de sabotage. Il a même saboté mon fils nourrisson, Gabriel. Lyncher un enfant nourrisson qu'il avait quelques mois. Lyncher la maman. Il a fait rebolote quand la maman était enceinte de mon dernier fils. Insulté, fait des directs. Il a fait appeler des gens. Youssouf m'a appelé il y a une semaine. Ce Youssouf là, on s'est expliqué, j'ai pardonné Youssouf. Parce que le chef de la mafia, c'était Amout. Il a fait appeler Youssouf, il a fait appeler James, le feu Apouti. Il a fait appeler des gens comme ça qui n'avaient aucun problème avec moi. Vous trouvez ça normal? Aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Donc il faut arrêter.
J'ai vu, il y a quelqu'un qui dit qu'il a acheté la voiture en espèces en Allemagne à 60 000 euros. Je vous dis, en Allemagne, c'est vrai. Je ne sais pas si on continue, mais je vous ai dit, je parle de la France. On est nombreux à acheter des voitures en Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, même avec 1 million, tu pouvais acheter une voiture si ça coûte 1 million d'euros. Voilà. Je parle de la France. Qu'en France, même en Espagne aujourd'hui, tu ne peux pas faire un achat à plus de 1 000 euros si tu résides dans le pays. Ceux qui ne résident pas dans le pays, ils ont droit à 15 000 euros. Je ne sais pas si vous faites seulement vos courses, seulement à Carrefour. On dit des choses, mais vous êtes même comment? Plus de 1 000 euros, on ne prend pas si tu résides en France. Voilà. Le magasin ne prend pas, ne prend pas, on ne prend pas. C'est la loi. Même en Espagne, c'est pareil. Si c'est 999 euros, oui. Mais si ça arrive à 1 000 euros, on dit niet. 1 000 euros, 1 centime, niet, c'est ce que je veux dire. Donc si tu as acheté la voiture en Allemagne à 60 000 euros, aujourd'hui, je ne connais pas comment ça se passe là-bas, je ne vis pas en Allemagne. Je parle de la France et de l'Espagne. Bon. Je dis bien pour ceux qui sont résidents. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas résident en France, tu peux faire tes courses. Les gens qui viennent de l'Afrique, des États-Unis, du Japon, même de l'Angleterre, même de l'Espagne, tu peux faire les courses 15 000 euros en cash. Et on prend. Donc voilà. On n'a jamais interdit Amout. Amout parlait faire son Mazembe. Il parlait voler là où il veut. Il peut faire ce que c'est sa vie. Mais moi, mon problème, c'est que tu ne peux pas venir voler celle qui a été votre gilet pare-balles. Celle qui vous a soutenu. Celle qui vous a mis à un niveau sur les réseaux sociaux. Celle qui a toujours pris des coups pour vous. Quand cette femme est venue sur Internet, se plaindre, pleurer, on a des femmes, on a des mamans. Quand on voit une femme arriver à ce niveau pleurer, ce n'est plus le buzz. Ça veut dire qu'elle est arrivée à un niveau où il fallait qu'elle passe par là, peut-être pour se sentir bien. Voilà pourquoi Fleur Delis est venue, elle a fait son truc. Le bon monsieur, moi, si c'était moi, qu'est-ce que je fais, c'est quoi? Je ne fais pas de live. Je rentre en contact avec Fleur, même si c'est ma femme qui a pris l'argent, même si c'est son frère, c'est mon beau-frère quand même. Je dis à Fleur que, Fleur, c'est combien? Tu voulais combien? 9 000, hein? C'est sur 11 000, tu as eu 3 000, tu as eu combien? Pour le moment, je n'ai pas d'argent. Mais je te promets, voilà d'abord même 1 000 euros, comme tu es au pays. Je te promets, donne-moi un peu de temps. Je vais régler la situation. C'est tout. Tu te bats comme tu as l'habitude de te battre pour inviter des Kofi, des Kérosène, des DJ Kitoko. Et tu sors de ça. On n'en parle plus. Basta. Et tu dis à ta femme, vraiment, ta belle famille là, ma belle famille là, plus jamais avec eux. Les problèmes d'argent, il faut les. Voilà. Je ne me mêle plus dedans. C'est comme ça qu'un homme, un grand homme, voilà, sauve son honneur et sauve l'honneur de sa femme. Aujourd'hui, on insulte ta femme. On humilie ta femme sur les réseaux sociaux dans tout le monde entier. C'est toi le patron. Ta femme n'est jamais sortie faire un direct. Comme toi, Amo, tu es tellement villageois. Tu parles de quelle image? Toi, tu as une image à préserver? Les hommes parlent d'image. Amo, tu viens parler d'image. Quelqu'un qui dort dans les matelas que c'est l'assistance sociale. Dans le lit que c'est Youssouf qui a payé. Quand Jaguar ramène la moi, elle dit que va aller canapé. L'argent, tu penses ça sort d'où? C'est le Youssouf qui paye ça. Hein? J'ai parlé avec Youssouf. Le lit que tu dors là-bas, c'est lui qui a payé. Le matelas, les rideaux. Tu ne te poses pas la question. Tu viens faire le direct.
sur Facebook. Sur quelle image tu as, mon ami? Quelle image? Quelqu'un qui a pris la route, qui a bu les pipis de chameau, qui fait la manche à Madrid, tu as quelle image encore à préserver? Vous êtes les gens qui ne veulent même pas avoir honte. Avec toutes les humiliations que tu as eues au désert, quelqu'un que le chameau a léché les testicules, parce que tu voulais boire les pipis de chameau, tu as quelle image à préserver, mon frère? Hein? Règle un problème comme un grand. Voilà, basta. Tu protèges ta femme. Tu es un vrai roublard, mon frère. Un zézémote. Tu viens, tu parles là, la voix même. La voix ne porte même pas. Tu parles comme un bébé, comme un nourrisson. Des psos comme ça, là. C'est pas possible. Un vrai homme, c'est ça. Il réagit comme ça. Tu viens, tu vends ta femme. Maintenant, c'est le beau-frère que vous prenez, vous enfermez au sein. Parce que le Cameroun vous appartient. Vous avez des relations. Et les gens acclament. C'est bien, c'est bien. Il va lire leur. Il va lire leur. Bobby va lire leur. Ça, ils sont contents. Quand ça va tomber sur votre, sur quelqu'un de votre famille ou un proche, c'est là que vous allez comprendre que l'injustice, le trafic d'influence, des gens laissent le, il y a des gens qui laissent la vie là-bas. Vous allez comprendre. Parce que le Camerounais, on n'est jamais unanime. On n'est jamais solidaire. On est toujours là, en train de... Quand il y a un combat comme ça, là, au lieu qu'on se met, on dénonce pour que les gens du pays, là, les gens qui sont au pays, là, ils commencent à changer. Il va lire l'heure. 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 Vous allez penser à la maman, là, qui pleure sur Internet. La maman peut avoir un AVC. Vous allez penser à ça. Vous êtes tous des criminels. Ceux qui soutiennent ça. Vous allez penser à la femme du petit là. Vous allez penser à ça. C'est quand ça va s'éclater maintenant là. On va venir vous voir. Vous allez faire des rips géants. Oh, vous allez mettre les émotions. Vous allez mettre les rips. Vous êtes toujours dans la lenteur. Réaction, il n'y a pas. Vous aimez là où les gens souffrent. Vous supportez toujours ceux qui se font passer pour des forts. Les victimes sont là. Vous n'apportez pas de soutien. Je vois des gens aller sur la page d'Amout. Encore aujourd'hui, aller lui donner des éloges. Aller faire des commentaires. Ya, les Camerounais. Ya. Quelle jeunesse moribonde. C'est quoi ça? Ya. C'est parce qu'ils distribuent pas les 100 000 francs CFA. Où est la dignité? Ya, venez me voir, je vous donne le travail. Venez me voir, je vous donne le travail. Moi, je n'ai pas 100 000 à vous donner. Les 100 000 là, je peux vous donner ça aux orphelins, quand les pères à manger, aux veuves. Ya, venez me voir. Vous voulez le travail, venez me voir. Si vous êtes en France, vous êtes au chômage, prenez l'avion, venez en Espagne. Vous allez gagner le même salaire qu'en France. Et la vie va être plus moins chère. Venez me voir. Il y a du travail comme ça. Ya, on peut être démoniaque comme ça là. On peut être comme ça. On peut souhaiter du mal à son frère comme ça, à son prochain. Même s'il n'est pas ton frère. Même s'il n'est pas Camerounais. Même s'il n'est pas Africain. On peut souhaiter ça. Libérez vos cœurs, les amis. Libérez vos cœurs. Si vos activités, si dans vos vies, il n'y a pas d'évolution, c'est parce que Dieu lit vos cœurs. Il sait que vous êtes ou vous supportez le diable. Ou vous êtes complice avec le diable. Voilà pourquoi vos choses ne marchent pas. Pourquoi pour le voisin marche. Il n'a pas fait la sorcellerie. Il n'a pas vendu la drogue. Il n'a pas tué. Parce que si tu fais tout ça, tu ne peux pas être en liberté. Libérez vos cœurs, les amis. Sortez dans la médisance. Et dans la calomnie. Même en faux profil. Ça a un impact dans votre esprit. Même en faux profil. Parce que derrière un faux profil, c'est un être humain. Vous exagérez. C'est quoi cette jeunesse-là qui se détruit elle-même? C'est quoi cette jeunesse-là? Hein? C'est quoi ça?
Moi, j'arrive pas, je comprends plus rien. C'est quoi cette jeunesse qui se détruit elle-même? Libérez vos cœurs. Ce temps que vous gâtez, vous gaspillez sur les réseaux sociaux, à détester des gens, à prôner la haine, mettez ce temps sur autre chose, dans le travail. Vous allez voir. Mettez ce temps dans le travail. Libérez vos cœurs. Ne suivez pas les gens qui font des commentaires. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Libérez ça. Quand on voit notre jeunesse, on dit, mais attends, on va y arriver? On va y arriver? Vous voyez un gars comme Amot, il prend un jeune qui vient d'arriver du pays. Dans la maltraitance, comment un jeune peut habiter chez vous? Il lave vos sous-vêtements. Il lave tes caleçons. Ce n'est pas la poisse que vous mettez sur ce gars. Il lave tes caleçons à la main, même pas à la machine. À la main, il lave tes caleçons. C'est pas qu'il prend, il met dans une machine. C'est quand même très grave ça. Ce qu'on a comme retour, c'est grave les amis. Moi, c'est les passages comme ça qui m'interpellent. Moi, c'est même pas trop l'argent là. Vous voyez, je ne parle même pas de l'argent là. Je m'en fous. Parce que je sais que Fleur elle va s'en sortir. Si elle ne récupère pas ça, elle va s'en sortir. Elle ne va pas crever. Elle est française, elle va rentrer en France. Elle va encore travailler, elle va se battre. Elle va avoir 10 fois 100 000. Mettez 100 fois ça. Pour moi, ce sont des trucs comme ça qui m'ont interpellé. La maltraitance. Comment quelqu'un peut maltraiter un être humain comme ça? Quand on est humain, on ne fait pas ça à son prochain. En Europe, pour avoir une machine à laver, ça coûte combien? Il y a même les opportunités. On a tellement, en France, il y a tellement de trucs. 4 fois 100 frais. Là, tu veux faire un paiement d'une machine à 500 euros. 4 fois 100 frais. Ça veut dire que tu payes 500 euros. Ça veut dire que tu payes peut-être 150 euros ou bien 120 euros par mois. Tu as ta machine à laver. Il y a des machines à laver à 300 euros. Même s'il n'a pas la machine à laver chez lui. Et je sais qu'il n'a pas la machine à laver chez lui parce qu'il n'y a pas d'espace. Parce que sa cuisine, c'est un petit couloir. Et les WC, c'est comme ça. C'est peut-être 3 mètres carrés. Donc la machine ne peut pas entrer là-bas. La salle de bain, alors, il faut se pencher comme ça pour se laver. Sinon, ton dos touche au mur. Je ne comprends pas. Même s'il porte les habits, il porte des habits à aller laver au wash, comment on appelle ça, les machines qui sont publiques là, où tu mets l'argent, tu mets même le savon. Comment? C'est ce gars qui se met sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Il insulte des gens. Il rabaisse des gens. Il paye pour qu'on sabote des gens. Il paye pour que les gens viennent faire des témoignages. Vous m'avez vu là, j'ai mis depuis là que appeler. Parce que je ne joue pas dans ça. Même quand tu m'appelles, tu me donnes une information, je la vérifie. Si tu n'es pas quelqu'un de proche, et quand je donne une information, je donne avec des noms. Ah ouais. Il s'assoit, il insulte. Il a insulté Lolo Fondia. Insulté ma femme. Insulté Fleur de Lille. Insulté la femme de Messang. Insulté encore qui là? Là il est direct, hein? Qu'il a fait. Il y a encore quelle femme qu'il a insulté là? Il insulte des enfants. Il a insulté les enfants de Messang. Mes enfants. Un homme qui se permet. Voilà comment il fonctionne. Il paye les gens, insulte-t-elle. Quand il ne peut pas, il paye. Insulte.
Après, il vient jouer la victime. Il vient, il parle comme une tapette. Il voulait qu'on laisse ça. J'avais dit. J'avais dit ici dans les réseaux sociaux que Amoto, je peux pardonner à tout le monde. Déjà un parce que je connais Amoto. Quand il le connaît, c'est pas mon ami. C'est une connaissance, c'est une personne que j'ai déjà vue dans ma vie. Une, deux, trois fois, peut-être quatre fois dans ma vie. J'avais dit que pour lui là, je peux pardonner tout le monde, je peux m'en oublier pour tout le monde. Mais pour lui, je ne vais jamais laisser. Même s'il me demande pardon, je ne vais jamais laisser. Jamais de la vie. Et il a déjà fait une fois. Je ne vais jamais laisser. Ah oui. Parce que dans la vie, quand on a une vie de merde, on ne vient pas insulter des gens. On reste dans son way. On vit sa life sans nuire aux, sans nuire aux gens. Mais Amoto, c'est l'un des gars qui vit comme un clochard en Bénin. Même au Cameroun. Il n'a pas où dormir. Quand il va au Cameroun, il demande les clés des maisons de ses amis pour aller dormir. Mais c'est lui qui vient tous les jours sur Internet pour insulter des gens. Insulter des gens à longueur de journée. Insulter les femmes des gens. Quand vous voyez la femme d'Amoto là, soit on doit juger une femme. Mais comme on n'est pas là pour juger les gens, mais eux, c'est des gens qui viennent juger les autres. Soit on doit juger une femme. C'est les filles qui ont dansé au chat noir à Bonapuzo sans caleçon. Elles étaient dans l'équipe de Sergio Polo, Jean-Pierre Sommet. Jaguar fait le waka. Depuis, elle a fait le waka à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ngaoundéré. Elle est mariée au Tchad, à N'Djamena. Donc elle est internationale en Afrique au niveau du waka. Vous n'avez pas vu l'homme qui l'a amené en Europe, qui l'a amené à Dubaï, tant quoi. Elle est venue laisser tant quoi au Ouassé. Quand elle a laissé tant quoi au Ouassé, est-ce qu'Amoto était à Paris? Non, on était à Paris. Quand Jaguar était comme le mauvais esprit dans les boîtes de nuit à Paris, à la Piedra, à l'Alysée, Amoto n'était pas en Espagne, il n'était pas à Paris. Non, on était à Paris. Non, je voyais Jaguar dans les boîtes à Paris. Elle sautillait comme la tisse. Quand elle avait fui l'Italie pour venir à Paris. Nous, on était à Paris, Amoto n'était pas à Paris. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Mais c'est lui qui vient, il ouvre sa sale gueule, la puante là. Il commence à raconter n'importe quoi aux gens. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire là. Grand Amoto dit que tu es gigolo. Va loin avec ton commentaire débile là. Mais Amoto, on dit. J'aime pas les histoires qu'on dit. Voilà, quand tu vois ma tête, tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui est gigolo. Il faut arrêter vos histoires là. Quand vous venez avec des commentaires bidons comme ça, là, je vous bloque. Après, vous allez vous plaindre. Que grand foutu, pourquoi tu m'as bloqué? Ne venez pas dans mon direct avec des conneries là. Je ne suis pas votre camarade. Ça va là. Il faut apprendre à respecter les gens. Quand vous êtes dans les directs, respectez les gens. Amoto. Et si Amoto, c'est pour ça que les gens ils viennent, ils inventent des choses. Et vous croyez à ça? C'est pas possible. Amoto. Donc voilà mes amis. Je ne suis pas dans l'avion, mon frère, je suis dans la voiture. La voiture qui a fait mal aux jaloux. Je suis dans ma voiture, je suis dans ma Mercedes. Je suis pas dans l'avion, ça c'est pas l'avion. Je suis dans ma Mercedes. C'est pas l'avion, c'est ma Mercedes, c'est ça. Je vais chercher des enfants. Ils sortent dans 3 minutes. Et voilà. C'est cette voiture qui a fait mal aux jaloux. Elle est là, elle est toujours là. Oh, on a saisi la voiture. Oh, on a fait machin truc. Oh, oh il a loué la voiture. Mais ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Hein? Ah ouais. Je loue la voiture, elle est toujours là. Mais dis donc.
louer une voiture comme ça, par mois, ça peut être combien même, je sais plus. Ah oui. Ça veut dire qu'il faut, me respecter. Moi, la carte grise, machin truc. Ça, c'est la carte grise de ma voiture. Elle est même. Aussi la carte grise de ma voiture. Moi, la carte grise. Ça, c'est pas la carte grise. C'est pas ma voiture. C'est pas Luxembourg, là. C'est pas le Grand Duché, ici. Quand tu loues la voiture, on te donne la carte grise. Moi, la carte grise. Moi, la carte grise. Oh, il a loué la voiture. Oh, machin truc. Moi, la carte grise. Ça, c'est pas mon nom là sur la carte grise. Faut faire la capture, c'est pas mon nom. Hmm? Moi, la carte grise. Moi, la carte grise. Il a loué la voiture. Je ne sais pas pourquoi. Je vous, juste pour vous narguer. Pour ceux qui disent ça. Même si j'avais loué la voiture, allez aussi louer pour vous, non, mon frère. Il a loué la voiture. Machin truc. Ou qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne sais pas. Même si j'avais loué. Même les blancs qui ont les voitures, qui ont l'argent, là, ils ne louent pas. Louer, c'est facile. Hein? On achète la maison, on voit, machin truc. Je vais acheter la maison, je vais venir vous dire que j'ai acheté la maison. N'importe quoi. Vous connaissez tellement ma vie, même mieux que moi. Venez m'aider à payer l'école pour mes enfants. Chaque enfant, c'est 8000 euros minimum. Ils sont trois. Ça fait combien par an? Venez payer. N'importe quoi. Oh, il a loué la voiture. Oh, machin truc. C'est à lui. Machin truc. C'est à vous. Comme pour vous, ça vous surprend de voir un jeune qui est sur Facebook avec vous, avoir cette vie-là. Je l'ai parce que je la mérite. Ce n'est pas une vie que j'ai volée. Ou ce n'est pas une vie du mensonge. Je l'ai parce que ça se mérite. Je travaille. Je suis un homme d'affaires. Voilà, j'ai plusieurs entreprises. Est-ce que c'est que je parle là au vent? J'ai plusieurs entreprises. Voilà. Je ne dors pas. Je dors 3 heures par jour. 3 heures. Parce que si je ne me lève pas, je n'attends rien. Je n'attends rien à personne. De personne, j'attends rien du tout. Vous, là, vous dormez à Paris, vous mangez des ailes de poulet, vous buvez des formules. Pendant ce temps, vous savez, allez aux États-Unis, allez en Angleterre, vous allez voir. En Allemagne, dans les pays scandinaves, là, vous allez voir comment les jeunes Camerounais réalisent les choses. Ils se lèvent comme ça pour aller travailler. Vous allez à Paris là-bas, vous mettez le black sur les cheveux, vous allez dans des cabarets, vous allez manger des ailes de poulet. Pendant que nous, on ne mange pas tout ça. Nous, on se lève, on va travailler et après, on est à la maison avec nos enfants et nos femmes. Vous allez dans les soirées, vous mettez le djobala, vous dansez le bikusi, le makossa, le coupé décalé, la rumba. Hein? Après, allez aux États-Unis, vous allez voir. Vous allez voir les Camerounais dans des grosses maisons, des grosses voitures. Vous allez dire, ouh, allez à Londres, vous allez voir les Nadja. Ils sont en Rolls Royce fantôme. Ils roulent en Bentley, en Ferrari. Ah ouais, c'est des chefs d'entreprise. Restez à Paris, hein. Comme la motte. Vie de débauche. Vous restez là, vous mangez les ailes de poulet, vous filmez, vous mettez sur Facebook. Vous savez pas comment nous, qui sommes à l'étranger, on vous regarde comme les zinzins. Comme les zinzins. Quand nous, on vient à Paris, on prend une chambre d'hôtel. On dort bien. On fait 3-4 jours, on fait peut-être le shopping. Trap, on est parti. Nous, on vous regarde seulement. On vous dit que ceux-là n'ont pas compris. Vous allez finir dans les chambres de bonne là-bas à Paris, au 8e étage. L'âge va arriver, l'âge de la retraite va arriver. Moi j'en connais, hein? Les grands frères qui sont depuis 40 ans. Maintenant ils sont dans le 17e. Petit frère qu'on fait la ronde à 50 bois. Petit, tu peux me donner 10 euros. Donne-moi 20 euros. Ils sont là-bas comme ça, nombreux. 30 ans, 40 ans de mec.
surtout les Parisiens. Ça va arriver. Continuez dans ça. Ouais, qu'on va pas vieillir. Après, vous allez venir vous plaindre. Là, au Cameroun, vous allez commencer à empoisonner les gens, à mettre le poison dans les ongles. Quand quelqu'un vient vous saluer, il se lève, il va aux toilettes, vous mettez le poison. Parce que la jalousie. On était tous en bain. Mais vous avez choisi. Vous avez choisi la vie de Paris. Si vous êtes des Parisiens. Puisqu'on est au village. Mais on est mieux logé dans nos villages là, que vous. Vous qui vivez dans la plus belle ville du monde. Selon vous. Mais vous êtes dans les HLM. Qui sentent la pisse. Bon mes amis, je vous laisse. J'en ai assez parlé aujourd'hui. On va remettre ça demain. Là, je vais prendre mes enfants. Soit à 35. On est ensemble, la famille. Voilà. Pour ceux qui ont mis les mauvais commentaires, vous serez bannis de ma page. Voilà. Parce que je ne discute pas avec vous, c'est ma page. Donc, ciao.